Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord, la tribune de militaires dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles ce 21 avril. Ensuite, la décision de l'État français d'extrader vers l'Italie 9 militants d'extrême gauche réfugiés en France depuis les années 80. Enfin, la chasse ouverte à l'arabe à Jérusalem-Est par plusieurs groupes fascistes. Le 21 avril, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles publiait une tribune d'une vingtaine d'anciens généraux de l'armée française. Transformée en pétition, cette tribune reçoit rapidement la signature de plusieurs milliers d'autres anciens militaires de tous grades. Le contenu de cette tribune est centré sur une tentative d'instrumentaliser les inquiétudes populaires liées au Covid, à la crise économique et à l'insécurité, pour les orienter vers des cibles précises. Le ton est celui du catastrophisme annonçant un péril afin de diffuser de la peur. Je cite « L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent ». Les cibles sont sans surprise d'abord l'immigration et les Français ayant une ascendance étrangère, et ensuite les fameux islamo-gauchistes que Macron et ses ministres accusent de tous les maux depuis plusieurs mois. Les premiers sont décrits comme étant, je cite, « un péril islamiste » et des hordes de banlieue, entraînant, je cite encore, le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre Constitution. Les difficultés de vie dans les quartiers populaires ne seraient ainsi pas issues de causes économiques et sociales, mais de leurs habitants eux-mêmes choisissant le communautarisme. Les seconds sont décrits pêle-mêle comme étant des racialistes, des indigénistes, des partisans des théories décoloniales. Tous ceux critiquant l'histoire officielle dominante, sont ainsi amalgamés dans une même entité constituant une véritable anti-France. Enfin, la tribune se conclut sur une menace de coup d'État militaire. Je cite « Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. » Le logiciel fascisant de cette tribune est évident. La plupart des initiateurs ont un lien établi avec l'extrême droite. De manière significative, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a décidé de publier cette tribune le 21 avril, date anniversaire de la tentative de coup d'État des généraux liés à l'OAS il y a 60 ans jour pour jour. Cependant, l'essentiel n'est pas là. Il se situe dans la reprise et le durcissement de tous les thèmes du gouvernement depuis plusieurs mois, communautarisme, séparatisme, islamo-gauchisme, etc. À semer des graines issues de l'extrême droite, on récolte logiquement des prises de parole et des actes fascistes. Les années 70 ont été appelées en Italie les années de plomb, en raison de la violence politique qui secouait ce pays. Violence de l'État, de ses forces de l'ordre et de ses services secrets, violence des fascistes et violence de nombreux groupes d'extrême-gauche. Autrement dit, la violence de cette période est inséparable du contexte global de la vie politique en Italie. Un petit nombre de militants d'extrême-gauche, condamnés en Italie, ont reçu l'asile politique en France dans la décennie 80, et le président de la République, François Mitterrand, s'est engagé, en 1985, à ne pas extrader les militants ayant rompu avec leur passé. En décidant d'enclencher la procédure d'extradition, Emmanuel Macron ne fait rien d'autre que renier la parole d'État. Concrètement, ces sexagénaires et septuagénaires, extradés potentiels, ont refait leur vie en France depuis près de 40 ans et risquent à court terme de se retrouver en prison et d'y finir leur vie. Résumant cette situation scandaleuse, la Ligue des droits de l'homme explique, je cite, « S'en prendre à des femmes et des hommes qui vivent dans notre pays depuis plus de 40 ans, pour des faits encore plus anciens, jugés en Italie dans des conditions dictées par les contingences de l'époque. Ce n'est pas faire acte de justice, c'est raviver des plaies que le temps avait commencé à refermer. La France est-elle le pays des droits de l'homme ou simplement le pays de la Déclaration des droits de l'homme? La nuance n'est pas anodine. Pendant près d'une semaine, en plein Ramadan, des ratonnades organisées par quatre groupes politiques ouvertement racistes se sont déroulées à Jérusalem-Est avec la complicité des policiers israéliens. En outre, ces quatre groupes ultra-orthodoxes se dénommant les Hava,
La Familia, les voyous des collines et les ultra-orthodoxes se revendiquent tous de deux partis officiellement alliés du gouvernement israélien, le parti ultra-orthodoxe et le parti sioniste religieux. C'est au cri de « Moros arabes » que se sont déroulées ces ratonnades racistes. La couverture médiatique de ces actes en France tient en un mot, le silence. À part Le Monde et Libération, la plupart des médias écrits, radio et télévisuels sont restés muets. Obéissant à une consigne de leur direction ou pratiquant l'autocensure par peur d'être accusés d'antisémitisme, ces journalistes muets contribuent de fait par leur silence à autoriser la reproduction de ces ratonnades ignobles. Se taire sur une injustice que l'on connaît, c'est encourager sa reproduction. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous avons bien pris note des demandes suite aux émissions précédentes. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Monde vu d'en bas.